bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série d'émissions dédiées aux origines de la Chine, car oui, la Chine est un pays historiquement et culturellement très riche et qui est d'une importance centrale en Asie. D'où le fait que nous allons nous centrer sur ses origines et pour la période qu'on va couvrir sur ces émissions, nous allons partir de la préhistoire jusqu'à la dynastie Han, ce qui, si on doit faire un parallèle avec l'Europe, correspond de la préhistoire à l'Empire romain. Pour la prononciation des noms, ils seront prononcés d'une manière différente selon les moments, entre une prononciation à la chinoise et une prononciation bien franchouillarde pour faciliter la compréhension. Pour commencer l'histoire de la Chine, il faut remonter très loin au Paléolithique supérieur, il y a 400 000 ans. Près du petit village de Chukudian, à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Pékin, a été découverte une grotte qui fut habitée pendant près de 200 000 ans, la comblant quasi entièrement par des couches successives de débris que laissèrent les habitants au fil du temps. Une aubaine pour les archéologues que de suivre une telle strate temporelle qui dévoilera près de 100 000 outils de pierre, des dents, des crânes et autres os, tous appartenant alors à cette époque à Homo erectus. Ce groupe de fossiles est alors désigné comme Homme de Pékin, anciennement dénommé Sinanthrope, avant qu'il ne soit associé à Homo erectus. Chasseur-cueilleur, maîtrisant le feu, 70% de la viande consommée et qui était cuite provient de cervidés. Mais l'homme de Pékin est aujourd'hui l'homme invisible. Les fossiles ont disparu durant la Seconde Guerre mondiale. En effet, ils devaient être transportés par train en Chine vers un port, et ce le 5 décembre 1941, deux jours avant l'attaque de Pearl Harbor. La débâcle américaine fit que plus personne ne se soucia des fossiles et ils disparurent quelque part entre Beijing et le port de Qinhuangdao, où ils devaient embarquer pour les États-Unis. Les soupçons se portèrent naturellement vers les Japonais, mais malgré des recherches aux quatre coins du monde, les fossiles de l'homme de Pékin ne furent jamais retrouvés. Le site de Chukudian a ensuite été occupé par l'Homo sapiens archaïque, il y a environ 200 000 ans, jusqu'à il y a environ 50 000 ans, au Paléolithique moyen. Lui-même sera supplanté par Homo sapiens sapiens, nous, entre 50 000 et 12 000 ans avant notre ère, époque où il va se disséminer en Chine. Vers moins 9700 va s'opérer le grand changement qui est le moteur de construction des civilisations, c'est l'entrée au néolithique. De la même manière que la néolithisation a changé le monde au Moyen-Orient puis en Europe, le foyer néolithisation chinois va être le foyer du développement des communautés sédentaires agricoles. Jusqu'à présent, deux théories s'affrontaient sur la néolithisation en Chine. La première consiste à dire que la néolithisation chinoise s'est faite par diffusion, par filtrage des techniques progressivement depuis le Moyen-Orient. L'autre théorie, totalement opposée, affirmait au contraire que les foyers de néolithisation chinois étaient complètement indépendants. La réalité archéologique montre qu'il s'agit en réalité d'un mélange des deux. Les foyers de néolithisation chinois sont bel et bien développés de leur côté, mais au fur et à mesure du temps qui passe et des échanges faits avec l'Ouest, ça a pu apporter quelques nouvelles techniques et savoirs et cultures. Le néolithique chinois va s'étendre de moins 9700 à moins 2200. Des milliers de sites néolithiques seront découverts sous le cours méridional du fleuve Jaune. Le processus de néolithisation, par la transformation des habitudes des populations, est dû également à un vaste bouleversement climatique de la Chine durant cette période, sera très long et progressif. Si bien que moins 8000 ou moins 7000 semble même une date plus communément admise pour un début réel du néolithique en Chine. De nombreux foyers néolithiques vont se développer parallèlement, se complétant l'un l'autre au fur et à mesure du temps avec les échanges entre ces cultures. Les foyers néolithiques les plus anciens seraient au niveau du Bayangtze, puis le long du fleuve Jaune et de la Chine côtière du sud-est. La chasse à l'arc et la pêche côtoyaient la culture du millet dès la culture de Peiligan, vers moins 7000, et du riz qui est en voie de domestication dès la culture de Changshan, vers moins 8000. Je sais pas si c'est vrai, mais on parle beaucoup du riz noir pour éviter la constipation. Du riz noir, tu piges ? Ouais, il y a aussi des cultures de chanvre pour fabriquer du tissu, cordage ou pour ses graines nutritives. L'élevage concerne surtout principalement le porc et le chien et sera complété des bovins, moutons, chevaux, puis des chèvres et buffles entre moins 4000 et moins 2000.
La poterie, autre marqueur habituel du néolithique, aurait en réalité précédé ce processus, puisque les plus anciennes poteries remonteraient davantage entre -12 000 et -16 000. La première laque colorée sur bois date de la culture néolithique de Hemoudou, située entre -5 500 et -3 300. D'après les linguistes, la culture de Hemoudou serait également le berceau originel des langues austronésiennes. En effet, vers -3 000, des hommes quittent le littoral et s'installent sur Taïwan, anciennement appelée Formose, et deviennent les aborigènes de Taïwan. Leur langue forme la branche formosane. Cette langue va par la suite se répandre à travers les migrations de populations vers l'Asie du Sud-Est, le Pacifique et jusqu'à Madagascar, formant donc la famille des langues austronésiennes. Ainsi, si l'origine des langues austronésiennes est partie du sud-est de la Chine, dans le territoire de Chine même sont parlées une autre famille linguistique, les langues sino-tibétaines. Localement, on trouvera également les langues hmongmiennes, qui est sûrement l'une des plus anciennes familles de langues de Chine. Une explosion d'innovation et d'invention a lieu à cette époque du néolithique chinois, au même titre qu'au Moyen-Orient, le néolithique a vu de nombreuses innovations et inventions. Et attends, Crix, j'ai une question. Waouh, Nathan, mais préviens quand t'appelles comme ça, là, c'était un peu soudain. Là. Mais c'est qui celui-là? On va voir toutes les innovations une par une là, vraiment? Oui. Genre la culture du riz, le jade, la soie, le fer moulé, l'écriture, ça, tout ça? Oui, et même l'écriture. En gros, pour faire simple, on va lancer une petite partie de Néolithisation 5. Cette nouvelle frise chronologique dispo en description détaillera toutes les innovations et autres discutées dans ces vidéos sur la Chine. Un moyen d'avoir un bon résumé directement sous les yeux. Les plus anciennes traces d'alcool relevées sur des tessons de céramique concernent de la bière de riz, de l'hydromel et du vin d'aubépine ou de raisin, datés entre -7 000 et -5 000. Quant au plus ancien canoë retrouvé, et qui serait du coup la plus ancienne embarcation chinoise, il daterait de -6 000. Parlons du fameux jade chinois. Bien que déjà utilisé et poli auparavant lors de la culture de Qinlanhua, entre -6 000 et -5 200, qui produit des objets très simples comme des anneaux polis, la fabrication d'objets travaillés en jade est surtout remarquable à partir de la culture néolithique de Hongshan, à partir de -4 700. Un art qui ne cessera de se perfectionner en Chine au fil du temps, cette pierre dure à travailler restera longtemps aux yeux extérieurs une des références de la culture artistique et raffinée chinoise. Mais le jade, c'est quoi? Il s'agit de deux minéraux différents sous le même nom, la jadéite et la néphrite, tous deux d'une dureté entre 6 et 7 sur 10 sur l'échelle de Mohs, ce qui est déjà très dur. Le véritable et vénérable jade qui nous intéresse à cette époque de la Chine ancestrale est la néphrite.
La jadéite, plus dure encore, ayant été travaillée en Chine que bien plus tard, à partir du XVIIIe siècle. Au néolithique, les gisements sont présents en Chine pour approvisionner cet artisanat. Plus tard, sous les Han, les gisements épuisés, il faudra importer depuis des régions extérieures, notamment d'Asie centrale. Le travail était pratiqué par abrasion à partir d'une meule d'émery, qui est un abrasif de corindon fin, ou de sable. Une méthode indispensable puisque la dureté du jade est supérieure à la plupart des métaux. La patience devait être donc au cœur de cet art, où une pièce devait être lentement façonnée et polie pendant des semaines voire des mois. Vous avez également forcément déjà vu ce qu'on appelle les disques bi. Les plus anciens datent de moins 4800. Les disques bi se déclinent en trois catégories, selon le rapport du trou central au diamètre. Le véritable bi en tant que tel étant celui dont le rayon est au moins deux fois plus large que le trou. Et certains disques présenteront ensuite des indentations et seront appelés chuanchi. Le jade étant synonyme de pierre d'immortalité, on peut trouver des linceuls de jade, les corps étaient recouverts sous un amoncellement d'objets de jade divers, les archéologues parlant alors d'enterrement sous le jade. Plus tard, c'est la conception de véritables linceuls, comme celui du roi Nanyue, fait de plus de 2000 plaquettes de jade assemblées de fils d'or ou de soie. Évidemment, ce genre de traitement était réservé qu'aux personnalités les plus fortunées. Les plus anciennes flûtes chinoises en os, validant l'existence de la musique, datent d'environ 6500 ans avant notre ère. Dès moins 4600, puis durant la culture de Metxia Yao, située à l'ouest du bord du plateau tibétain, la zone sert de plateforme d'échange vers l'ouest. C'est alors l'introduction de céréales comme le blé, l'orge et l'avoine. Dès moins 3000, les Chinois, fascinés par la beauté et la senteur de la rose, commencent à la cultiver et à s'en servir pour éloigner certains animaux sauvages du cheptel domestique. Il s'agit de la plus ancienne culture de la rose, dont les rosiers sauvages ressemblaient alors davantage à l'églantier d'aujourd'hui, avec seulement 5 pétales, avant que les multiples cultures depuis des millénaires ne façonnent la fleur pour augmenter ses pétales jusqu'à 250 sur certaines variétés, ou améliorer son parfum dans une recherche de l'excellence qui a toujours cours aujourd'hui chez les horticulteurs. La culture de Longshan, entre moins 2800 et moins 2000 environ, voit l'apparition de nouveaux outils comme la faucille en coquillage ou la bêche en bois à deux dents et l'arrivée de nouveaux animaux d'élevage, le bœuf et le mouton. Quant à la soie, la plus vieille trace de soie a été découverte dans une tombe et date de moins 8500. Mais la production de la soie, comprenant donc l'élevage minutieux à grande échelle du ver à soie, commence véritablement plus tard, vers moins 2500, durant cette culture de Longshan. La Chine gardera le monopole de la production de la soie jusqu'à l'importation du ver à soie en Europe à partir du 6e siècle après Jésus-Christ. Évidemment, on sait qu'être tisserand en Chine exige une grande maîtrise de soie. Le cuivre est connu par les découvertes d'objets en cuivre rouge pur, sur la fin de cette période ou légèrement après. En céramique, on voit l'apparition des vases rituels tripodes et également des céramiques fines noires de Longshan dont l'épaisseur incroyablement fine est celle d'une coquille d'œuf. Une céramique tournée d'une finesse et technique inégalée dans le monde d'alors. Ah, de la poterie sur Mandalore, c'est pas des Mandaloriens. La culture du blé et d'orge se diffuse davantage à cette époque. Entre moins 3400 et moins 2000, plusieurs cultures chinoises voient leur village croître considérablement, passant de quelques dizaines d'hectares à plusieurs centaines, et deviennent donc des villes. Ces villes s'encadrent de remparts et de larges fossés qui peuvent être remplis d'eau. Le guerrier se développe, c'est le début de conflits entre cités. Pause, Krix, ralentis. Putain, il porte bien son nom, lui, Mr. Break. Oui. Niveau religion, on en est où à l'époque? Parce qu'on est quand même bien avant le bouddhisme, et bien avant les philosophies chinoises, comme le taoïsme ou le confucianisme. En effet, et pourtant les hommes ne sont pas dénués de croyances. La religion néolithique est apparentée au chamanisme. Le chaman de la Chine néolithique puis antique interprétait les rêves, invoquait les esprits, faisait tomber la pluie, guérissait ou expulsait les pestilences. On pouvait pratiquer le sacrifice aux ancêtres, le plus souvent d'animaux, mais parfois d'humains, ceux issus du plus bas niveau social. On pratique l'ostéomancie et la scapulomancie, qui sont la divination par l'observation des os, entiers ou éclatés à la chaleur, ou sur des écailles de tortue.
ces pratiques vont se poursuivre durant les âges suivants et même être au cœur de la société étatique chinoise, car les chefs seront également ceux qui pratiqueront les rites. Finalement, le chamanisme va s'effacer au début de l'ère impériale, où le côté paroxystique de la transe chamaniste ne convenait plus à l'étiquette de la cour impériale. Mais une certaine forme de ce chamanisme survivra dans les campagnes, et ce, jusqu'à nos jours. Enfin, il convient au moins de fermer cette période ancestrale de la Chine par ses premiers souverains mythiques et légendaires. Ils sont décrits dans les textes et d'une importance capitale dans l'histographie traditionnelle chinoise, même s'ils n'ont aucune réalité ou preuve archéologique. Avant la dynastie des Chia, dont on parlera plus tard, auraient existé trois augustes, sorte de dieux légendaires, et cinq empereurs légendaires moralement irréprochables. Le plus célèbre d'entre eux est le premier empereur Wang Di, dit l'empereur jaune, à qui on attribue une liste gigantesque d'inventions qui pourtant ont réellement été inventées plus tard, puisque son règne se placerait entre -2698 à -2598. Considéré comme le fondateur de la civilisation chinoise dans la société chinoise, il est aussi important que ne l'est au Japon l'équivalent fondateur du Japon, le mythique Jin Mu. Si son existence historique véritable n'est remise en question qu'au début du XXe siècle, il reste encore un symbole national moderne. Le mausolée de l'empereur jaune au sommet du mont Chiao est un lieu de pèlerinage très fréquenté, y compris par les membres du gouvernement chinois moderne, de nombreux hommes d'État y ayant érigé des stèles durant le XXe siècle. La popularité de l'empereur jaune est telle que chaque année, sa cérémonie d'anniversaire attire les foules chinoises et du monde entier. Le territoire de Chine, en tant que contrée habitée et lointaine, est connu du monde antique européen depuis longtemps. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Hérodote mentionne l'existence d'un peuple mystérieux à l'est, les Hyperboréens. Même si ces propos sont quelque peu confus par moments, on peut faire le parallèle entre Hyperboréens et les Chinois d'alors. En effet, des échanges commerciaux pouvant exister entre la Chine et le bassin méditerranéen, Hérodote put en entendre parler. Arrêtons-nous là pour aujourd'hui avec la fin du néolithique, puisque petit à petit la Chine va rentrer dans son âge du bronze que nous verrons la prochaine fois avec les mythiques dynasties Chia, Chang et les Zhou. Allez, sur ce, je vous laisse. Allez, salut, ciao!